Eh bien le bonjour à tous, c'est Saul et aujourd'hui on se retrouve sur Garry's Mod. Donc pour un petit Dark RP en compagnie de Linroy et de Nico, qui n'est pas loin là normalement, pardon. Et donc là on se retrouve donc pour un petit RP, on va venir pour se beller ce serveur. Et donc c'est peut-être une VOD assez longue, hein, je vous préviens. Il va vous falloir du cran, mais à mon avis on va bien se marrer. Allez c'est parti, on se retrouve tout de suite dans l'aventure. Donc du Voilà. coup moi là pour l'instant j'incarne un chômeur, c'est nul. Je Non suis c'est pris nul. tellement longtemps. C'est nul le chômeur, où est le voleur? Oui, donc bonjour tout le monde, c'est Nico. Et donc on est parti Allez. effectivement Il y a déjà trop de pour voleurs. retourner un gang qui s'est installé il y a peu. Gang de mafieux. Ouais, on vient devenir nous la mafia. On va péter des gueules, ça va être assez incroyable, ça va être magnifique. Par contre, quel métier je peux me faire là? Il y a déjà trop de voleurs, c'est un peu relou. Je me suis mis donc en tant qu'agent de sécurité. Ah! Putain, ça fait mal aux oreilles. Agent de sécurité, mais il faut pas être. Quoi? Non, mais on s'en fout. On s'en fout clairement. Il faut pas devenir VIP? Non, c'est à partir du niveau 15. Bah alors attends. Ok, donc je lance le live. Bah Ouais, lance le vas-y, live, ouais, vas-y. pendant ce temps-là on lance un live plus une VOD, c'est épique les amis. Donc là pour l'instant je regarde un petit peu ce que je peux faire. Le problème, que. Oui, putain, il faut que je Ah l'autorise. putain, il y a vraiment trop de voleurs, c'est relou, c'est le seul poste que j'aime bien. Alors, agent de sécurité, mais où est-ce que. Ah d'accord, agent de sécurité level 15. Je suis moi aussi un agent de sécurité. Oh, et on a un Desert Eagle dès le début, j'avoue que c'est sympa. Bah non, en fait là j'essaie de vendre des ventes. Ouais, c'est plutôt badass. Merde, merde, merde. Et on a un petit taser. Tu peux m'envoyer l'identifiant et le mot de passe, s'il te plaît? Oh maman! J'ai perdu. Je le dis pas haute voix par contre. Ah oui, c'est ça. Je t'envoie sur TeamSpeak. Alors, il est où? Allez, c'est ça. Maire Madou, il vote. Non, votez non à chaque fois pour leur truc, ça nous Non, fera moins de concurrence. non, non. C'est la technique. C'est la C'est la technique. technique. T'es au magasin rouge là, Nico? Ouais, bien sûr, Ok, bien on va sûr. aller s'établir. Élection du maire, Mermoud Saul, non. Mais On est obligé de voter, putain. Votez Thomas Furston, il a l'air d'être relou, Mermoud. Bon, ça se connecte. Thomas Furston, c'est qui? Ouais, il faut qu'on Ok. vote pour Thomas. Enfin, Ouais. pour Thomas, Ok. absolument. Ok, non, en fait, les gars, je sais ce que je C'est vais qui faire. ça? Les gars, je vais devenir prostituée et je vais aller dans. Enfin, je vais m'incruster Ta gueule, dans la mais. mafia, comme ça vous pourrez venir et je vous donner tous les Tais-toi! renseignements. Ok, je me barre. Ok. Bon, alors nous voilà sur Garry's Mod, en mode RP, Beaucoup, je vous Dark remercie RP. beaucoup, monsieur le maire. Je voulais pas me présenter, mais je voulais que tu sois maire. On s'en fout. Merci, merci. On s'en fout. Oh non! Alors, métier, donc moi je tire sur comme métier un bon vieux mafieux. Non mec, il va pas dans la mafia. Ah non. Ah bon? Bah non mec, pas encore, là Pourquoi? c'est un gang qu'on va devoir détruire de l'intérieur. Ah mais si, quoique tu peux peut-être. Moi je deviens Faut pas mafieux, c'est parti. divulguer, vous serez suffisant. Pas de réflexion, j'ai essayé d'avoir une bonne gueule Ouais, parce que que. pour une Aussi, je personne. disparais. Voilà. Hein? Ça compte que pour toi. Ah je peux être mafieux, on a trop. T'as mis Bon combien? bah. Ah Genre là 100 la douille! dollars. Bonjour. Quoi? Oh t'as Ça mis fait 100, voler j'espère notre que t'as mafia. 300. Bonjour. Ouais. Ah y'a Mais combien de pourquoi mafieux? c'est là pour une personne? Y'en a trop, y'en a trop. Si tu veux, tu peux me Donc, suivre. Y'a trop de voleurs surtout. Ah, ok, bon. Merde. Nos maisons sont clean encore. Ça commence à tirer Les déjà. magasins rouges. Jackson Derrett, bien joué. Alors, je réponds au nom, les viewers, je réponds au nom de Linroy Gentilhomme. Bonjour. Parce que je reste quand même un gentilhomme. Et Jackson Derrett, c'est notre
notre très cher Nico. Hello. Alias Plastic. Qui est notre barman. Parce que en fait nous sommes dans une grande industrie cartélisque. Ça se dit pas du tout. Non, nous sommes dans un cartel là. dans un cartel et les gars, il y a plus de nourriture, excusez-moi, il y a plus de nourriture, il dit. Les gars, il y a un petit blême, il y a vraiment plus de nourriture en fait, même pour nous en fait. Oui, il y a plus de nourriture, mais on a payé pour ça. Bah, il a été encaissé ensuite. Il est pas là le point. On a payé pour ça. Et notre argent ? Ouais, on a payé, je le vois pas moi. Il est FK pour le moment. Putain. On a quand même payé 900$. J'ai payé mes 900, Putain, ils sont chiants à parler en micro de merde. Ouais, vous pouvez au moins nous les rembourser, ouais, sérieusement. C'est pas cool. 900, c'est pas grand chose. Putain. Bon, les gars, attendez. Je vous donne la moitié. Quand même 900. Bah, pour nous, c'est. Mais du coup, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais servir là, sans ma mafia. On a payé pour manger. 900$. Je te remercie, en fait, les gars. On nous annonce qu'on peut pas manger. Bah, allez, je peux devenir quoi? Je peux devenir croix. Bah, quelqu'un l'a récupéré. Hein. Wow. Rendez-moi mes 900. Il y a quelqu'un qui a ramassé l'argent, j'ai posé. On sortait même pas. Ok, c'est bon, déjà, je viens de piquer 900$. À la mafia, c'est plutôt sympa. 900$. 900$, je les ai je peux devenir banquier. Insta volé. Ok, putain, y'a plus que 4 voleurs, c'est parfait. F4, métier, voleur. Voleur, voleur, vite. Hop, on prend le mec cool. Ah, si vous voulez, je peux devenir vendeur d'armes Gal. Ça peut être pas mal, mais il faut déjà une bonne base d'argent. Après, tu les achètes. Faudrait aussi qu'on achète les maisons autour. Faut qu'on se mette bien. Ouais. Ah, j'ai acheté le magasin rouge, j'ai acheté les autres. Donc là, on va aller voir l'Inroy et truc mûche. What? Attends, je viens de voir un truc qui me perturbe. La porte est fermée en fait. Tu peux pas mettre en tant que propriétaire aussi? Ça marche comment en fait? Normalement, c'est sur les clés, je pense. Ah oui, je m'attendais à ce que la porte s'ouvre, voilà. En tout cas, elle est déverrouillée. Ah, ils sont pas secoués avec leur RP de merde là. Qui rage. Alors, magasin bleu, on s'en fout. C'est petit appartement. Y'a des mecs chez leur BRH ou pas, Hugo? Non. C'est pas moment 2. Alors, HTF. Propriétaire, gentil. Voilà, j'ai mon appartement. Ok, ici c'est chez nous. Ouais, j'ai mon appartement, c'est génial. Alors Nico, déjà il y a 2-3 trucs qu'on va faire pour pouvoir gagner plein d'argent et plein d'XP assez rapidement. C'est où le magasin où c'est ouvert là? Oui, c'est ouvert. Ok, tu peux installer des murs de façon à ce que là on puisse mettre. Ah, t'en as déjà mis un? Un print, ouais. Ok, bon écoute, faudrait qu'on en ait chacun un et qu'on l'utilise pas entre nous parce que c'est un peu relou. Objet. Hein? On verra. On peut pas l'utiliser entre nous. Si, enfin tu peux utiliser le mien comme je peux utiliser le tien. Ouais. Ok, donc du coup. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on les vole en fait. Oui, il faut qu'on les vole les printers. J'en avais volé un la dernière fois, je me suis fait 10 000 avec avant de me faire tuer par un flic. Donc le mien est celui de gauche. Hein. On vole pas les siens, Hugo, viens installer le tien. C'est objet. Donc là on est des printers, par contre, il faut que tu les caches, Nico, parce qu'il y a pas mal de voleurs en plus là ce soir. Non, mais tu fermes la clé. Non, mais ils peuvent quand même rentrer hein, à la crowbar. Bah, il faut qu'il y ait un mec ici en permanence en fait. Ah, parce que même quand ils sont planqués, en fait, ils vont les trouver, les mecs, ils sont pas cons. Ouais, non, mais si tu mets des cartes d'accès et tout ça, je mets chez moi. Tu vas mettre des alarmes. Ah, cartes d'accès. Ouais. Ah, ça peut être intéressant. Attends, j'essaie de le mettre droit. Ça peut quand même être hacké, hein, les cartes d'accès, mais au moins ça leur mettra plus de temps. Et c'est quoi en fait les cartes d'accès en fait? Tu fais F4, objet. Ouais, c'est ça, je crois, un truc comme ça. Ah non, je crois qu'il faut les acheter à un marchand noir. Un marchand noir. Enfin, non, un marchand. Si toutefois tu l'acceptes, c'est d'en trouver un très bien. De trouver un marché noir. Il y en a un de coup ou pas? Mais putain, comment on fait pour. J'en ai un qui était. J'avais un ami en plus avec moi, un vendeur noir. Il y a plein de crapules, c'est blindé de. Putain, il n'y a aucune autorité dans cette ville, il n'y a pas beaucoup de police en plus.
Il y en a 4. Il y a rien du tout. 4 dont un mec de la sécurité routière. Les pauvres. Ils sont en train de se faire vicos par la mafia qui s'est alliée avec les crapules. Ouais, ils n'ont pas le droit normalement. Interdit. Ah j'avoue. Selon le RP, c'est complètement interdit. Mais bon, tout le monde s'en bat les couilles. Voilà, donc ça c'est fait. L'ORP. Ok, là y'a rien. Ça c'est fait. Alors j'ai plein de textures buggées, hein, les amis, c'est normal. On s'en fout. On s'en fout, on n'y fait pas attention. Oui, vous voulez quoi? Alors, c'est moi de reprendre les commandes. Je vais juste fermer ça. Oui, mais on va le mettre en. C'est bon. Je croyais que t'allais mettre un mur qui avait la même texture, mec. Putain, ok, donc là on va pas encore acheter d'armes ni rien. Or et VIP. Et là-dedans, ça se passe comment du coup? Ah, ok. Ah, c'est bien toi. Je vérifie. Vas-y, vas-y. Non, t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah. Je suis enfermé quoi. Ah, je crois que t'es enfermé, ouais. Et donc ici, et tu mets ton printer. Ici, là, j'ai déjà mis l'arme, moi. Merde, vous êtes vendeur d'armes? What the fuck? Oui. Eh ben, je viens t'acheter mon printer. Ouais. Bon, alors le but de ce soir, les amis, c'est quoi? Ah, mais je vais sortir, s'il te plaît. Pas. On va créer notre propre langue. D'accord, j'attends un peu, mais qu'est-ce que tu fais avec ton truc là? Qui alors, est ce Rick Maxton? Range ton truc, je suis garde du Ok, bah je. Alors, je peux me traîner avec ça, je suis garde. Ouais, écoute, je vais juste acheter une arme, donc du coup, laisse-moi tranquille. Bah, allez. Alors, je vais acheter une arme. Après. Ouais, faites la queue les cocos là, faites la queue derrière moi. Qu'est-ce que vous vendez quoi comme vous vendez quoi? Bah, je vais être mafieux. T'as dit quoi? T'as dit tu feras la queue comme tout le monde. Ouais. Et tu peux le mettre? T'as ton printer, Hugo? Ah. Ah non, d'accord. Ensuite, tu te débarques. Ouais! Tu es le mafieux? Bah oui. Merci. Les gars, c'est moi la mafieux. Par contre, faites attention, le vendeur d'armes qui s'appelle Steve. En tout cas, le mec qui joue pas RP du tout, il arnaque et tout, il friki. Fais attention. Que le début. Et j'arrive pas à respawn par contre, c'est un peu. Ouais, c'est bon. Ok, alors. Vous vendez des snipers? Non, c'est il faut aller voir l'arme illégale. Pourquoi ce troll? Enfin, le vendeur d'armes illégales, il est au Burger King. Ah, trop de gens qui parlent. Ok, merci. Alors, comment on va se procurer une arme? Vous savez un peu le prix? Comment ça coûte? C'est dans les 10 000, 100 000, ça dépend. Comment? Ouais, ça vend des armes? Ça va de 10 000 à 100 000, c'est en fonction de ce que tu veux. Ça vend des armes ici? Ah. Donc un AWAP ça coûte 100 000 d'or? A peu près, ouais, c'est ça. Oui, ouais, ce serait cool. Ça coûte un peu cher. Ouais, c'est un moyen d'acheter juste un flingue, s'il te plaît, j'aimerais un. Un flingue, quelque chose de rapide et efficace. Histoire d'éliminer les gens qui me font un peu trop chier. Ah, si avec 3 000 $ on peut avoir beaucoup de trucs ou pas, ou que de la merde? Pff, un peu de la merde, mais. Tu peux avoir. Ça va. Mais à 10 articles, je veux dire. Essaye d'aller voir avec le marchand d'armes illégal, au pire, tu feras un prix avec lui si t'es de la mafia. Alors, à nous deux. Ça c'est cher. Tu peux t'acheter quelque chose? Tu peux me faire un petit prix? Tu veux quoi? J'aimerais un Colt ou. Enfin, non, c'est. Un Magnum. Bon, allez. Ah, 8000 c'était parfait quand même. Un Magnum, alors attends. Bon allez, j'ai la flemme de faire le relou. Okay. Tu le vois combien ton Magnum? Alors j'étais de l'argent. Je n'ai pas de Magnum. Bah, tu vends quoi alors? Dis-moi ce que tu vends, un flingue. Bah, tu vends quoi alors? Dis-moi ce que tu vends. Alors je vais te dire. Pourquoi vous mettez du métal là? Je vends alors du. Desert Eagle. Bah, Desert Eagle. Du. De la. Du. Je prends Desert Eagle. Ok, ok. Sinon, t'as l'MP5. Non, t'inquiète. T'as de l'MP5 à 7. Merde, je prends Desert Eagle, ce sera parfait. Ouais. C'est combien? Donc, drop 800, s'il te plaît. Ok, les gars, j'ai mon AWAP. Tout va bien. Ah ouais? Ah ouais, donc. Ouais. C'est rapide. Et voilà. Ouais, je suis un petit. Tu les as reçus? C'est là. Ouah, j'ai du lag. Ok, attends. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est quoi le. Merci le, bien. Le prochain étape. Tu saurais faire un truc, attends. Tu saurais. Ah, étape, genre, tu vois, non, ça, je sais pas déplacer les trucs, je suis nouveau. Parallèle à lui, là. Désolé.
Ah ok ok. T'as mal à me sortir. Putain le relou. Avec mes trois plombes, allez. Merci, au revoir. Bah, j'ai hâte d'être level 30 là. Ok, T'es où là mon petit Linroy? T'es à la mafia? Je suis au QG. Il est admin là. Il est poteau bien. Il est où, comme d'hab. Ok, j'arrive au QG aussi. Poteau. T'as vu l'admin en juste à moi toi? Bah attends, il y a que sur le serveur là. Il y a combien de. Il voudrait vraiment réussir à démanteler la mafia assez rapidement. Il y a du mafieux, il y a pas mal de mafieux. Ouais, je voudrais réussir à les démanteler, mais je sais pas trop comment faire, comment m'y prendre. Lieutenant de police, agent du FBI, a aussi une belle bande de connards. Jackson, ouvre-moi la porte. Ok, John. Il y a Rick Marston, le lieutenant de police. Le mot de passe. Ça va être notre pyramide. Licorne. Vas-y, rentre. Ah, tu m'as bloqué dans la porte. Licorne. Oh, yes, j'ai bien joué alors. Vas-y, ça fait gêne. Ah, pousse-toi. Ah, j'ai un peu de lag. Oh merde, putain. Déjà presque plus de batterie dans mon truc. Turfu. Dans le turfu, mec. Comment est-ce qu'on fait pour les recharger, les trucs comme ça? Appuie sur recharger. Et que sur recharger. Simplement. Hop. Voilà. Vas-y, je vais recharger le mien. Quand il sera à 0%, ça marche, je crois. Ah, je le recharge là, il avait 6%. Ok, donc c'est parti, là, j'ai déjà regagné les 1000. Ouais, c'est pas possible d'être parano comme ça. Ouvre-moi la porte. Ils ont close du chemin. Ah, la boîte de nuit, quoi. Je veux tout fermer tout le temps. Vas-y, tu partiras. Pardon, excuse-moi. Ah, il y a une voiture. Ah, non, Hugo. Linori. Moi, je suis chaud pour qu'on tente un petit. Linori, moi, j'ai un plan. J'ai un plan. Un petit casse. Ah, dis-moi, vas-y. On va kidnapper le. Attends, il s'appelle comment? On va kidnapper. Attends, y'a pas de. Attends. Métier. Votez pour moi, les gars. Ah oui. Oh vite. Allez. J'ai réussi à saisir l'opportunité, ah. C'était déco le mec. Oh putain, allez. A mon avis, ils vont pas m'élire, il y en a déjà non trop. Allez là. Ah putain, je suis pas devenu le parrain. Si. Oh, ah merde, sinon. Ah c'est qui ça? Ah merde. Il va falloir qu'on enlève les membres de la mafia en parrain et qu'on les fasse se rendre. Ou alors se ranger à nos côtés. Ah. Ah les gars, en plus on a plus de... la vie est belle. Ouais. Alors, je vais réfléchir. Comment on pourrait faire un coup épique là? Déjà, je vais aller voler une voiture, les gars. Je vais aller voler une voiture, il va nous falloir un véhicule. Hugo, tu peux. Non, tu peux venir m'aider et me. Et venir me dire si. Enfin, me couvrir pendant que je vole la voiture. C'est un peu délicat à chaque fois. Vas-y. Je suis dans la ruelle. Je suis dans la ruelle en face du magasin rouge. Ok. Yeah. Je t'attends. Non mais. Attends deux secondes, je vais voir un truc. C'est toi là-bas? Ah, c'est toi. Je vais voir un truc. Oh yes. Oh, le mec qui dit F2 quoi. Sérieusement. Il est contre nous. Mais qui veut entrer là? Non, viens, Linroy, par là. T'es moi. Pas par là, on trouvera pas de voiture par ici. Ah putain. Fais chier. Ah, j'ai tenté, il fallait que je tente ma chance. On retentera un peu plus tard quand on aura fait un coup d'état un peu limite. Où est-ce qu'on va trouver une bagnole? Ouais. En fait, le maire est trop populaire pour l'instant pour. Le maire? Pour faire un coup d'état. Là, il y a des bagnoles là-bas. Voilà. Tu vas où? Ok, j'arrive. Là. Il y a du monde ou pas dans le coin? Ah, c'est une bagnole de flic en plus. Ah, c'est chaud. Ah, c'est la bagnole du commissaire. Ah, oui. Le commissaire Makarov. Oh, les fous. Y'a quoi ici? Putain, je vais voir c'est quoi son. Ah. Ah, vas-y.
Il a pas le droit de nous attaquer. Vite, cassez-vous. Vite, vite, bah voler voiture, je m'occupe d'eux. Je les retiens, je les retiens, je les retiens. Putain, je gagne encore des XP quoi, c'est génial. Fais-moi le meilleur bel à commande, mec. Oh là, oh le bordel que c'est quoi. BOL. Je suis avec 50%. Il se passe quoi ici? 75%, mec, viens dehors, on file avec la voiture, vite. On comprend plus rien, il parle tout simplement, c'est horrible. Ouais, t'es avec moi là? Non. C'est bon? Attends, je suis pas là, je suis vite. Vas-y, go. Oh merde, je suis descendu. Partez, pas grave. Vite. Profite-en. Partez. C'est bon? Vas-y, pars. Tu es là. Qui c'est que tu as éclaté? Ils sont partis avec votre voiture. Monsieur le policier. Quinter. Ça c'est toujours le bull, c'est toujours trop le bull celui-là. Ok, on a une caisse les gars. Ah putain. Super, en plus c'est une caisse de flics là. Toi, hey. C'était pas bon. Viens avec moi, viens avec moi. Je sais, on peut la planquer. J'ai pas d'armes, je prends pas d'armes. Bien, on va parler. On peut la planquer. Ok, là on va faire un gros coup, tu vois. On va essayer de démanteler la mafia avec des potes. Ça te dit de te joindre à nous ou pas? Ouais, t'es chaud? Ok, bah viens alors. Je t'amène dans notre magasin. Vas-y, viens. Les gars, je ramène à nouveau. Nico, ouvre-moi la porte. La porte. Mot de passe licorne. Non, c'est du refus. Ok. Je reviens, je vais prendre des choses, reste ici toi. Tu peux m'ouvrir cette porte? Attention, on rentre pas, ça blague par contre. Les gars, j'ai mon sniper, j'ai envie de l'utiliser. Ok. Bon, ça dit que t'entends un coup avec nous alors, on va démanteler la mafia. Comment? Ouais. Mais là y a de la mafia à la porte. Ouais t'inquiète. On va voir ce qu'ils font. Oula, je m'en mêle. Ouais. Jackson Beret 510. Jackson. J'ai envie de tuer. Vas-y. Niveau 24 ouais. Ok. Hugo, tu fais partie de la mafia toi? Tu fais partie de quoi? Je suis ok, bah Hugo, tu vas prendre. Tu vas appeler un membre de la mafia. Bonjour. Bonjour. Il est avec nous. Non, il est avec nous. Tu vas pas rentrer chez moi. Hein. Oh. Bah oui, mais c'était un infiltré. C'est pas grave, écoute, c'est pas grave, il va respawn. Il a pas de problème d'argent lui. Oh, mais tu m'as touché pas. Je t'ai pas expliqué, c'est de ma faute parce qu'on est sur TeamSpeak en même temps. Oh. C'est à qui ça? T'es un peu relou, dis donc. Il y a mon snipe là-bas. Touchez pas mon snipe. Mais ça c'est un autre complice aussi hein, c'est Linroy. On le détruit. Ok bon bah vas-y viens. Oh mon snipe il a des pop. Bah t'inquiète, y'a pas de soucis, bah tu pourras lui dire en face, il va revenir. Voilà c'est lui hein, lui dire pas dessus, il s'appelle Linroy, retiens son nom. Ah désolé hein. Pas de soucis. Écoute là on va faire un petit plan. Linroy tu vas aller chercher un mafieux et puis on va venir te chercher en caisse avec le mafieux, ok? On va l'amener dans la forêt, on va faire en sorte qu'il surrende avec ses autres potes. Ça te va? Attends, je comprends rien avec l'écho, espèce de... On va... Attends, mais mec... Mec, j'ai perdu mon snipe. Écoute, c'est pas très grave. Ah, mec. Ah, c'est toi, John. Kevin. Qu'est-ce que tu fais, bordel? Bon, les gars, j'ai racheté une arme, hein. Merde. Bon, reviens quand tu veux, Kevin. T'inquiète pas, fais ce que tu veux, reviens quand tu veux avec la voiture. C'est quoi le plan? J'ai pas compris. Fais comme tu veux, va faire un petit tour si tu veux, je t'appelle sur ton téléphone dès qu'on a besoin de toi, ok? Non mais je reste là. Attention. Il me faut une arme. Bonjour. Bah en fait tu m'as vendu un sniper tout à l'heure et je l'ai perdu. Quelqu'un. Je me suis fait tuer. Ça va. Donc je viens t'en racheter un. Y'a un printer, bah oui, bien sûr. Ah ouais, ça,
C'est pas à moi, mais c'est un de mes potes. Ouais, c'est un de mes potes. Tu peux me le faire à 8000, je vais me le perdre, j'ai un peu les boules. C'est pas pour toi. Allez, 8000, ça ne change plus rien. Bah, allez, nous oblige pas de buter, mec. Nous oblige pas de buter. Je vais acheter le printer. Tu vas sortir d'ici, allez, sors de la maison. Sors de la maison là, vas-y, dégage. Ouais, ok, vas-y, tu vas dégager. T'es gentil, merci. Je veux pas te braquer ? Je le connais. Allez, vas-y, casse-toi. LD est très dangereux, mec. Non, je veux pas. Ah, je le connais, mec. Il faut le buter, là, s'il y a un problème. Ah, c'est bon, bah, je risque de revenir souvent vu que je vais prendre des risques. La police aussi. Dégage. Oh, il est parti chercher les flics. Il vole notre voiture, là, bute-le. Dégage de là, mec, sors. Merci beaucoup. On peut pas le buter. Ah merde. Bon, bah écoute, Nico, ouvre vite, on a un printer là, caché. Vite. Ok, je t'ouvre. Ouvre-moi l'autre porte, il y a les flics qui vont arriver, Nico. Pas chez toi, mais dans les appartements en haut. Si tu caches bien ton jeu, ça devrait être cool. Ok, je retiens ça. Merci beaucoup. Ouais, tu peux te pousser, s'il te plaît, là, tu me bloques. Au pire, je peux pas me mettre en. Ah, tout à l'heure. Tu peux te mettre en quoi, t'as dit ? Il s'est passé quoi ? Dans un autre. Si, fais comme tu veux, l'ami, fais comme tu veux. Il s'est passé quoi là ? Je regarde, attends. Fais comme tu veux. Y'a un mec qui a essayé de te voler ton printer. Qu'est-ce qui se passe ? Un mec qui a essayé de te voler ton printer. Ok, Kevin, j'ai une mission pour toi. Tu vas aller t'incruster chez la mafia, ok? Tu vas te faire passer pour l'un d'eux et puis ensuite tu vas nous ramener un de ses membres. On va le capturer, on va demander une rançon. Ok, Kevin, tu m'appelles sur mon portable, si jamais t'as un souci on viendra t'aider, ok? On se partagera les gains promis une fois fini. Regarde mon nom, rappelle-toi, c'est Jean Patoche, je changerai pas. Ok. Hésite pas à m'appeler. Ton printer et ton magasin. Bonne chance à toi, c'est toi qui as une mission très importante. Hein. Bonne chance. Merci. Putain, il est gentil ce Kevin. Ah, c'est un héros ce Kevin. Mais les gars, putain, moi je fais quoi? Je suis pro le stream et je. T'es là, viens. Tu vas aller assister Kevin dans sa conquête de la mafia. Qu'est-ce qui se passe là? Et... Ça fait quoi là? Ok, Kevin, t'as mis. T'inquiète. C'est pourquoi? Une arme. Hugo, Kevin, il est avec nous, d'accord? Tu t'en rappelles bien? Eh, Kevin, tu me fais un coup de main, s'il te plaît? Et regarde surtout s'il nous double pas. Ah bah ça s'est fait mal? Regarde si on s'est pas doublé par notre propre agent double. Un agent triple. Ah moi aussi je suis chaud pour un petit Desert Eagle. Ouais on est ensemble. Ah les gars ils bouchent l'entrée. Tu sais que t'as pas l'air d'avoir ça ici, toi. C'est pas très professionnel, ça. T'as pas l'air d'avoir ça ici, toi. Pose ce printer. Tu as posé ce printer, oui. Tu me fais à combien le 10-1 tu me dis du... C'est le mien. Tu vas le poser sinon j'appelle la police. Tu vas droit vers la police là l'ami. Allez, on va pas faire chier, 800 c'est de la bite. Les gars, il faut qu'on bute le maire. Merci beaucoup. Il m'ouvre.
Ok. Nico, Nico, j'arrive avec un printer. Pas pour l'instant. Mmh. Nico, j'arrive avec un VIP printer. T'es prêt à fermer la porte derrière toi très très vite? Ouais. Printer, j'appelle la police. Ça va trop vite. Ah, il a un printer, monsieur, arrêtez-le. Et voilà, plus de printer pour toi. Et là, tu me vois. Genre, c'était lui qui l'a pris, je l'ai pris. Là, tu me vois. Là, tu me vois. Un petit peu, là, tu me vois un petit peu comme ça. J'ai fait mec un mètre en prison à ma place, quoi. Magnifique. Ok, j'ai gagné. Non, vas-y, je peux rentrer là dans la base, là. Putain, le vas-y, vas-y, mec. Bon, les gars, il faut. Putain, très très beau ton petit bar, Nico. Le maire. Ça claque. Tu peux ouvrir la porte des printers? Merci, c'est cool. T'as mec, là, ils peuvent voir combien il y a de printers en ville, mais ils peuvent pas savoir, genre. À qui est lequel ni rien, donc du coup, bah. Tu refus. Mec, ton fric il fait pas au sol là. Attends, je recharge mon printer. Attends une minute, y'a un mec qui. Y'a un mec qui toque. Je vais fermer la porte. C'est moi. C'est qui? Et le mot de passe? C'est moi. Tu refus. Tu refus. Ou licorne selon les préférences. Ok, j'ai du lag. J'ai envoyé un message à Kevin voir si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Oula, oh, j'ai des rollbacks Saras. Prenez donc le fric que je vais vous mettre au sol. Ok, attends. Côté du fric, c'est 150 chacun. D'accord, des et printers. Ça sort d'où? Ça sort des printers, ouais. T'as Nico? Ah, tu prends l'XP du coup? Bah laisse-le prendre l'XP, c'est pas très grave. Bah au pire, ça me permettra de donc... être maire. Ouais. Donc là, il faut qu'on aille buter le maire, tu penses? Il doit être combien là? 25. Hugo, tu penses qu'il faut qu'on aille buter le maire? Bah le mec il nous a mis à 100% de... 100% les mafieux? Du moins on peut aller faire un petit coup de pression. Un petit coup de pression sur 100% sur les mafieux, moi je suis pour faire, ouais, faire un petit coup de pression sur lui. Tu sais où est-ce qu'il se trouve? Ah oui, c'est vrai. J'ouvre nous. Il est où Kevin? On va avoir besoin de lui. Et c'est quoi ton boulot toi? T'es quoi comme boulot là? Agent de sécurité, moi. Agent de sécurité. La classe. Et donc en fait, j'ouvre et je ferme les portes durant tout le stream, ça va être ouf. Enfin, par contre, j'ai très faim par contre, j'ai très très faim. Je suis à zéro là. Bah, excusez-moi. Attends, excusez-moi. Maman, ça va pour cette fois, mais je vous ai à l'œil. Ah, merci beaucoup, monsieur l'agent. Merci beaucoup, monsieur l'agent. Ouais, je t'interromps, mais attends, il fallait l'arrêter. Vas-y, on se casse. Voyons, on aura votre pauvre de... Ah, je crois qu'on m'appelle. Ah non, c'est moi qu'on appelle. Merde, on m'appelait. D'accord. Bon, alors il faut qu'on trouve le maire. Deux secondes. Ah, c'est toi, merde. C'est toi qui m'appelais. Tu peux l'enlever là. Où est-ce qu'il est? Où est le maire? Toi, qui m'a appelé? Bah, c'est quoi le règlement pour. Putain, les modos, ça, il faut vraiment n'importe quoi, les modos. Non, c'est les pertes. Ça bat tes couilles, là. C'est vrai, les modos, ils volent tous en train de mettre de la techno partout. Ça sert à rien dire. Ah, y'a des mecs au magasin rouge. OMG, je vois tout. Ils sont trois au magasin rouge. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est quoi, c'est des flics? Ok, on arrive. Et je suis un simple cuisinier. Non, dites non pour le Lil Scott Vette le pain. Ouais, ouais, c'est pour un casse au magasin rouge. Y'a Jackson Beret. Attends. Y'a Kevin avec nous. Je prends patoche. Attends. Je n'ai aucune arme par contre. Est-ce que tu peux nous aider? Ah, c'est chiant. Ah, vous avez perdu les clés, les gars? Bah, je vais vous ouvrir tout de suite. Attends. Ouais. Merci. Merci monsieur. Ouais, ouais, ok, je vais vous ouvrir tout de suite. Hugo, je l'invite, s'il y a des mafieux avec nous, on va avoir besoin de ton aide. On les bute. On n'est pas d'armes. Personne ne bouge. Mais qu'est-ce que je fais? Ils m'ont demandé de le rouvrir. On a perdu nos clés. Qu'est-ce que je fais? Je peux savoir où est le propriétaire de la maison, s'il vous plaît? Jackson. Reste dedans, Nico. Attendez, c'est pas possible, laissez-moi. Y'a la police et tout, reste dedans, Nico. Vas-y,
Oh, il y a trop de monde qui se ressemble. Je suis dehors. En fait. C'est pour ça. Devant moi de la maison tout de suite. C'est raciste. Okay, cours, Nico, cours. Voilà. Putain, il a perdu ses clés. Ouais, t'as déjà fait un papier pour vérifier, bougez pas. Donnez-moi vos noms. Ouais, vas-y, bougez pas. Oh, ils ont flagué l'agent. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Tu es tous sauf Kevin. Qu'est-ce qui s'est passé? Il me retourne et il y a un flic mort. Allez, bon les gars, il faut commencer à vendre. Ok, il y en a un qui est mort. Tuez les tous sauf Kevin. Kevin, ne tuez pas Kevin. Toi là, toi tu vas rester ici, le mafieux. Tu vas rester ici. Ici, là, lui là. Lui. Johnny, tu vas rester ici, Johnny, ok? Tu vas rester ici. Johnny, tu vas commencer par quitter ton poste de mafieux. Genre le mec. Comment c'est une dictature, Johnny, tu vois? C'est la dictature du plus fort, j'ai un flingue braqué sur ta tête, Johnny. C'est la mafia, mon pote. C'est la mafia, ça sera nous bientôt, la mafia. Ok, donc je vais te laisser une chance, tu as voté pour moi au prochain vote pour le parrain. T'as compris? Et si jamais tu votes pas pour nous, je viendrai, je te retrouverai, je te buterai avec mes potes. T'as compris, Johnny? Là, il faut voter pour un flic. Tu vas déco? Eh bah parfait, allez, vas-y. Et toi, là, t'es qui, toi? T'es qui, le voleur? Anne-moi. Je sais même pas. Eh, Andy, là. Andy, tu fais quoi? Je lag tellement, les gars. Arrête-toi. Bouge plus. Andy, tu bouges plus. Tu bouges plus. Oh, le voleur bouge plus. Ok, c'est parfait. C'est toi. C'est Candy. Mais écoute-toi avec le bonnet là sur ta tête. Tu vas voter pour moi au prochain vote pour le parrain, d'accord? Je me souviendrai de toi. Si jamais je te retrouve dans la rue et que t'as pas voté pour moi, je te buterai. Si jamais je suis pas élu, je viendrai et je te casserai la gueule. Ok? Ok. Je compte sur toi, Andy. Et si jamais, par contre, si jamais. Le cas échéant, Andy. Si jamais tu votes pour moi, tu gagneras de l'argent. Je te fais une promesse. La mafia ne ment jamais. Ok. Ah, mais. Vu que j'ai déjà de l'argent. Ok. Ah, c'est bon, je voterai. Je suis simple. Un peu de RP, bon Dieu, un peu de RP. Allez les gars. Merci Soumi. Très bon boulot, Kevin. Bon, venez, on se retrouve, on va dans le magasin rouge là. Bon alors Kevin, t'avais infiltré la mafia, putain, c'est toi qui les as amenés ici, t'as très bien joué. Putain, t'es vraiment un petit pro. Ouais, on a gardé notre calme et tout ça, c'était magnifique. Vas-y, mettez non pour le parrain. Bien compris, hein. Y'a la police, les gars, y'a la police. Cachez les mafieux, Nico, faut que tu sois tout seul. Mafieux, Nico, faut que tu sois tout seul. Rentre, Kevin, okay. Kevin, rentre. On rentre vite. Rentre, Kevin, rentre. Ferme la porte, Nico. Le rouvre pas. Chut, il rentre, parlez plus. On voit la porte, il se touche la bite sur un coffre. Ok. Dans le coin. On ne bouge pas, les mecs, on bouge pas. Bouge pas, ils sont là. Ah, c'est épique. Ah, mec, c'est tellement épique ce jeu. Il nous troll à l'extérieur. On va ramener tous les mafieux, Kevin. Bien joué. Ouais, merci. Ils sont éloignés. Les gars, j'ai qu'un. Ils font le tour en fait, ils sont toujours devant. Oui. 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 Mais le maire est trop populaire en ce moment, il faut qu'on bute. Regarde, jour de paye, taxe, vous recevez 0%. Il a mis 100% de taxe. Il a mis 100% de taxe, ce pays. Oh les gars, je suis. Yes. J'arrive au magasin rouge, les gars. La révolution commence. Allez, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, les amis.